C'est l'une des crèches historiques de la principauté. 30 ans plus tard, la crèche de Monte-Carlo est complètement rénovée. Une réorganisation des espaces nécessaires pour accueillir le personnel plus nombreux. On avait besoin de plus de place, réorganiser les volumes pour que ce soit plus fonctionnel et plus sécuritaire. C'est une crèche de presque 40 berceaux, donc on a plusieurs catégories, il a fallu s'organiser. Il y a beaucoup de personnel pour s'occuper d'eux, donc effectivement il y a beaucoup de place à réorganiser. Donc on a eu recours à un ingénieur structure pour modifier quelques ouvertures et de réagencement de cloisonnement intérieur. Le chantier est réalisé avec des entreprises locales, 535 mètres carrés consacrés à des espaces de vie, des espaces d'accueil et surtout des espaces où il fait bon vivre. C'était vraiment un curage complet, sol, mur, plafond, technique, on a tout refait, chauffage, climatisation, tout, la sécurité d'accès, le contrôle technique et aussi l'accessibilité PMR. On a réorganisé la totalité pour que ce soit conforme. C'est pour la petite enfance, donc le but du jeu, c'est que ce soit un peu mignon, un peu festif, cocooning, évidemment qu'il ne peut pas se faire mal. Les travaux sont aujourd'hui en phase de finition. La crèche pourra accueillir les enfants le 5 janvier 2025.